en habillée. Tu l'aimais, et lui, il s'aimait. Oh, et puis un perdu. 10 de retrouver, ça, ça marche que pour les kilos. Donc, il était venu te dire que j'avais rencontré quelqu'un. Ah bon? Tu sais, chérie, c'était pas encore au courant, ça fait maman, longtemps que maman, elle est plus vierge. Et mais comment il est? Très bien, c'est juste que... Comment te dire? Il est un petit peu plus jeune que moi. Et t'entends quoi pour me le présenter? Qui garde la voiture? Tu peux m'appeler papa si tu veux. Sympa. Entrez et faites comme chez vous. N'oubliez pas que vous êtes chez moi. Tu vas me demander ce que tu veux. C'est pour ou contre la peine de mort? Il y en a, t'as rien de plus sympa. Laisse, mon amour. Je suis pour. Comme ça, le gars, avant de recommencer, bah, il y pensera deux fois. Alors, ta mère, vite, peut même dire pas. C'est fini. Ouais, mais tu sais, le célibat, c'est comme une bonne assurance. Zéro tracas, zéro blabla. Kevin adore plaisanter, n'est-ce pas, chérie? Ouais, c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'étais très con, mais depuis... Vous êtes resté très jeune. Pourquoi je vais chercher quelque chose à boire? Tout le monde en a besoin, sauf moi. Et vous avez déjà été mariée? Ah oui, trois fois. Ouais, avec Christine. Deux sont morts et deux m'ont quitté. Et la troisième, bah... Et la différence d'âge avec ma mère, ça vous dérange pas? Vous savez, elle sera pas toujours aussi belle dans quelques années. Dis donc, chérie. Oui. Ah, est-ce que je t'ai déjà dit que je te... Non. Vous savez, la plus longue relation de ma mère a été de 2 ans. C'était avec son parfait téléphone. Oh non, chérie, ça c'était avant. Avec Kevin, l'amour. Je me donne des ailes. Attention au plafond. Tu me connais, ma chérie, j'ai toujours cherché l'amour avec un grand H. Oui, oui, je te connais, maman. Quand tu parles à un homme, tu en regardes un autre et tu penses à un troisième. Tu vas faire un effort et me comprendre, j'aimerais mettre un peu de piment dans ma vie. Oui, bah t'as pu en mesurer la dose quand même. J'aimerais tellement être comme toi, il y a l'air des défauts. Je reste ta mère. Mais quelle mère, si tu savais. Allez, tu sais que ta mère, elle sait rendre un homme heureux, oui. Toi aussi. Elle a mis... Non, je veux pas savoir. T'es pas... Elle a mis la télé. Oh, mamie, tu tombes bien, tu vas pouvoir m'aider à la durée de ta fille. Pourquoi? Elle a recommencé à boire? Tu vois, ma chérie? Bon, non, un petit vin blanc le matin, arrosé à midi, un petit vin rouge le soir. J'ai un coup de champagne, c'est tout. Oh, mais dis-moi, qui est ce charmant jeune homme? Il m'a l'air très bien. Justement, c'est le nouveau copain de maman, tu te rends compte? Oh, j'ai cru que c'était le nouveau copain de ma mère, ma chérie Lane. Mais il a l'air très bien. Mamie, raisonne-la, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, ma fille, tu exagères un petit peu. Voilà, maman, écoute la voix de la sagesse. Dis donc, maman, comme il y avait ta petite fille aujourd'hui, j'ai fait venir ton nouveau petit copain pour bien vous le présenter à ta petite fille. Ah ben tiens, je crois qu'il arrive. Ça m'excite, ça, vas-y.